Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue ma petite série sur la mise à jour de mon setup hein, puisque aujourd'hui on va attaquer les RAM hein, grâce à Kingston hein, puisque c'est eux qui m'ont envoyé ces RAM, les HyperX Fury en RGB hein, puisqu'en fait bah, le thème de mon setup va partir hein, sur du full RGB. Donc voilà quoi de plus intéressant que bah, de vous montrer ça, de vous partager un peu ma découverte de ce produit. Et on va commencer tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit tour de la boîte. Hein. Donc ici, on peut voir les RAM par transparence. Et donc là, on est bien sur un kit 32Go DDR4 2666. Et on a bien 4 barrettes de 8Go. Là, on a marqué RGB. Allez, on va sortir directement une barrette et... Alors en dessous, on a toujours bienvenu, moi j'aime bien les petits autocollants HyperX et le petit mode d'emploi et de livret de garantie. Alors, on va s'attarder maintenant au design. Vous voyez ici le logo HyperX brillant. Ici marqué Fury et DDR4 en blanc. De l'autre côté, les références et le reste du design ici comme ça. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser le plus, hein, donc c'est cette partie translucide. C'est celle-là, en fait, hein, qui va éclairer toute cette partie-là. On va y se regarder un peu au niveau de la hauteur. Hein. Toujours bon à savoir, pour ceux qui veulent installer ça, on est sur du allez, 3,5 cm en hauteur au niveau de la barrette. Voilà. Bon, allez, maintenant on a fini avec le déballage. Bien sûr, on va monter ça sur la carte mère et on va passer... à la partie logiciel. Alors, on se retrouve avec le logiciel NGT qu'on aura téléchargé directement sur les Microsoft Store. Là, vous sélectionnez mémoire. En dessous, donc, vous allez pouvoir personnaliser là, ce qu'ils disent, ils appellent les traînées. Donc, en premier, on a clignoté, hein. Donc, vous voyez en fait hein, ce qui est en bas, c'est ce qu'il se passe réellement au niveau de la RAM. Hein, vous voyez. Donc là, on a rebondir. À côté, la respiration. Là, c'est le cycle. Hein, c'est ce qu'il y a par défaut au niveau des réglages. Là, le battement. Là, comète. Hein, vous faites, vous voyez, c'est une traînée de lumière qui passe sur les barrettes. Arc-en-ciel. Voilà, hein, les couleurs se modifient. Et uni, hein, donc là on a couleur uni hein, tout simplement. Donc on va revenir par défaut au cycle. Là vous pouvez tout simplement régler la vitesse du passage, soit du moins des mouvements de la lumière ou du changement de couleur. Hein. En haut vous pouvez régler la luminosité, hein, c'est plus ou moins fort. Hein, donc selon par exemple voilà si vous êtes en plein jour ou dans l'obscurité. À droite, vous avez les préceptes, hein, donc vous allez pouvoir régler vous-même en fait des traînées, des couleurs par défaut, leur donner un nom et les lier à un jeu Game Link. Hein, donc en fait, vous allez mettre tout simplement l'exécutable du jeu et dès qu'il va se lancer, ça va lancer le précepte. Là, vous voyez, j'ai fait un petit précepte déjà au K2000. Hein. Vous comprenez pourquoi. Voilà, ici, donc après, vous pouvez tout simplement sauvegarder, annuler, là, exporter. Ajouter, supprimer. Donc là, je vais vous montrer aussi les différentes couleurs hein, disponibles. Vous voyez qu'on peut régler ça aux petits oignons. Hein. Donc vous avez l'anneau là, RGB. Donc vous pouvez vraiment modifier ça à votre sauce. Hein. Vraiment mettre ce que vous avez envie par rapport à ce que vous avez en thème déjà sur votre PC. Hein. Là, voilà l'intensité. Et puis après, vous pouvez même en rajouter. Vous en avez déjà par défaut. Mais vous pourrez en rajouter aussi selon vos désirs. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec le logiciel. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Et que dire de plus si ce n'est qu'au final, ça correspond vraiment à mes attentes. Surtout que au final, bon, la RAM, on n'en parle pas, hein, c'est du Kingston, hein, hyper connu, donc pas de problème à ce niveau-là. Après, ça va être pour tout ce qui est personnalisation. Avec le logiciel, vous avez vu, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Alors qu'on va acheter des RAM, elles, qui vont juste s'allumer, voilà, qui vont faire un dégradé de couleur, on va pouvoir rien régler. Là, vous passez directement par le logiciel et vous allez pouvoir régler ça aux petits oignons pour personnaliser votre setup. Donc franchement super intéressant à ces voilà. Donc si ça vous a plu, hein, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.